Salut tout le monde, bienvenue sur Bushcraft Tormant. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo pour présenter un peu tout ce qui s'est passé et tout ce qui est de nouveau. Donc on va commencer par le camp, enfin le petit poste qu'on a fait en haut. Donc on a mis là quelques branches comme vous pouvez le voir. Donc voilà, donc maintenant je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé. Le problème c'est qu'il y a des élégueurs qui sont venus sur le camp, donc ils ont élagué toute la haie. Et le problème c'est que la plupart de notre camp a été détruit. Donc on a été obligé de refaire, donc on a réfléchi un bout de temps. Je vais vous montrer un peu les étapes qu'on a fait pour avoir ce résultat. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a creusé un trou, on a posé deux branches en Y. Donc une ici et une là. Donc on a bien serré, bien tenu, donc là pas de problème, ça tient vraiment bien. Il y a une branche qui part par là-bas, une branche qui part par là-bas. Après on a mis une branche en diagonale qui va jusqu'au bout en bas. Et après on a mis plusieurs grosses branches en travers. Et puis après on a commencé à mettre du feuillage de tout dessus. Donc voilà, maintenant ça donne un résultat assez parfait, on va dire un peu ça. Donc on s'y plaît bien, on est bien y aller maintenant. Donc c'est du mal pour du bien. Donc voilà, donc c'est toujours mieux. Donc voilà, donc on se retrouve un peu à l'intérieur pour vous présenter un peu ce qu'il y a à faire. Donc comme vous pouvez voir là-haut, on a un peu de stock de bois, on a de la corde, on a récupéré un gros rondin dans un champ, donc pas de problème pour ça. Donc là on a une table à refaire, une petite table à refaire, donc on sera planté dans le trou qui est juste en dessous. Donc après là c'est un petit socle, on peut faire un peu de tout dessus. Là on a le mur fabriqué par nous-mêmes. Avec un peu de matériel, que du bois et un peu de corde, puis ça donne un résultat assez parfait. Donc voilà, donc là on a mis un petit rondin pour délimiter encore un peu plus, pour faire un peu plus classe. Donc voilà, donc on peut voir à travers ce qui est ici, qui descend jusqu'à là-bas, la petite fourche. Et puis on peut voir certains rondins ici, là. On peut voir que ça fait les supports, enfin le squelette entre parenthèses. Voilà. Donc voilà, nous voilà perchés sur des arbres. Donc comme on a dit, le petit poste pour regarder un peu les paysages autour de nous. C'est assez marrant, parfois on peut trouver des surprises. Donc là on peut voir qu'il y a... On n'a pas vraiment cherché à se compliquer la vie. Hein. On voit juste des branches qui sont dans des fourches. Un peu partout, même au sol pour combien qu'on se tienne. Donc moi là je suis un peu en mode escalade. Pour que ça soit plus pratique pour la vidéo et puis pour un beau paysage. Donc voilà, donc je pense que pour la vidéo ça sera tout, puis on va voir s'il y a des choses à dire après. Donc voilà, on se retrouve sur un endroit qui me dégoûte un peu. Hier on a vu des 5-6 personnes qui étaient ici, des chasseurs, donc là ici dans une zone privée. Et des chasseurs dans une zone privée, bah ça c'est pas. Surtout qu'ici il y a des renards, des lièvres, un peu de tout. Et hier on a vu que ils étaient en train de chasser un renard. Ce qui est hors la loi ici, c'est interdit. Donc franchement, je tiens à dire ça en vidéo pour que certaines personnes réfléchissent et que ça fasse réagir certaines personnes aussi. Donc on peut voir franchement d'ici jusqu'à en bas, c'est, la terre elle est retournée partout. Ça, on peut voir, je pense, c'était là l'entrée, ici, ou en bas par là. Voilà, on peut voir des trous, deux trous, un sorti, un d'entrée je pense. Donc je voulais dire ça en vidéo pour montrer que ça se fait pas quoi. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous fera plaisir. Merci et à la prochaine.